Est-ce que ça suffit, monsieur Howard? Oui. Oui, oui, ça suffit. Raccrochez maintenant. Et ne recommencez plus. Non, non. Allons, remettez-vous. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Un dimanche, on serait mieux à la pêche, n'est-ce pas, monsieur? Oui, mais je n'ai pas le temps. Craig Sterling et Richard Barrett, dotés de facultés physiques et mentales au-dessus de la normale. Ces facultés, ils en ont été dotés par un peuple mystérieux vivant au fin fond du Tibet. Craig Sterling et Richard Barrett sont devenus des êtres surhumains. Eux seuls connaissent cet extraordinaire secret. Et en tant que membres de l'organisation Nemesis, ils l'utilisent à bon escient en se faisant les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Belle vue, hein? Boursin? Monsieur Sterling, veuillez m'excuser de vous avoir obligé à faire tout ce chemin. Mes frais étant payés, c'est un plaisir. Il est possible que je vous fasse perdre votre temps. Je vous le dirai tout à l'heure.
Ma banque vient d'être avertie de s'attendre à recevoir un important dépôt d'or. Ah oui? Il sera de 30 millions de dollars. Et qui est-ce qui dépose tout ça? Je n'arrive pas à le savoir. Vous n'ignorez pas que nos banques possèdent l'art de garder un secret? Oui, bien sûr. À quoi serviriez-vous sinon? Mais j'ai une précision. Ce déposant a demandé la conversion immédiate en francs suisses. De toute la somme? Non, 10 millions de dollars seulement. Le reste, avant la fin du trimestre. Oh, c'est sans doute pour régler une affaire. Possible. Je vous ai d'ailleurs averti. Peut-être que je vous ai fait perdre votre temps. Cela vaut tout de même une enquête. Je ne suis pas d'accord, Craig. J'ai peur que votre correspondant n'ait laissé son imagination vagabonder. Mon imagination, pas la sienne. Boursin est un gars très bien, très capable. Mais je ne conteste aucunement la valeur de ce boursin, mais bonté divine, des tonnes d'or sont échangées chaque jour. C'est parfaitement légal, voyons. Même 30 millions de dollars? Bien entendu. Mais comprenez-moi, il est possible qu'un gouvernement de l'Est transfère ses réserves de Londres ou de Paris à Genève. Et cette conversion en francs suisses? Oh, eh bien, oui, ça c'est assez troublant, je dois l'admettre. Donc on ne doit pas écarter la possibilité... De quoi? D'un vol de 30 millions de dollars en or, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Non, ça ne suffit pas, Greg. Non, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Ah bon, d'accord, d'accord. Ça va, revenez. Nous allons vérifier. Si vous insistez, monsieur, bien sûr. Attendez une seconde. Je vois 5 grands centres internationaux d'or. Prévenons-les. D'un éventuel vol de 30 millions de dollars en or? Oh, je vous parie que tout le monde va se payer ma tête à cette nouvelle. Comment peut-on mettre au point un vol d'une pareille envergure? Un coup de main, John. Quand auras-tu terminé, à ton avis? Ce soir, comme prévu. Tout marche comme prévu, d'ailleurs. Plus de 10 millions de livres auront quitté les coffres-forts de la banque et aucun membre du personnel n'a le moindre soupçon. Non, monsieur Starling, il n'y a pas eu de gros transfert d'or de notre pays au cours de ces dernières semaines. Et aucun n'est projeté? Non. Je présume que vous avez enquêté sur les autres marchés. Oui, bien sûr. Alors, vos informations n'étaient pas fondées? Ça, je n'en suis pas encore certain, monsieur Howard. Mais à quoi songez-vous dans ce cas? Je pense que vous auriez intérêt à mettre vos services de sécurité en alerte dès maintenant. Peut-être n'êtes-vous pas au courant de l'histoire de cette banque, monsieur Starling? Je sais parfaitement qu'elle n'a jamais été cambriolée, aussi qu'il y a un début à tout, cher monsieur. Combien de fois vos coffres sont-ils contrôlés? Aussi souvent qu'il est nécessaire. Par qui? Par un de nos trois directeurs, à l'aide d'un écran de télévision. Monsieur Starling, nous sommes d'accord pour une coopération raisonnable avec votre organisation. Et vous ne trouvez pas cette enquête raisonnable? Burton, voulez-vous venir? Vous allez voir notre système de sécurité. Cela devrait suffire à vous rassurer. Je pense que nous avons prévu une parade à toute éventualité. Je le souhaite, monsieur Howard. Encore une fois, ne croyez pas que nous n'apprécions pas votre aide. Bien au contraire. Mais je ne pense pas que vous réalisiez les énormes problèmes que pose un vol de cette importance. Non. Il y a le poids, la masse d'un tel chargement, et il ne saurait être question qu'il aille en Suisse. Ah, Burton, faites visiter la maison à monsieur Starling et montrez-lui pourquoi nous n'avons jamais eu de vol en près de 250 ans. Bonjour. Bien que j'apprécie tes qualités artistiques, je dois t'avouer que je préfère la couleur originale. Oui, au moins, il y a plus de chaleur dans un reflet d'or. Est-ce que tu as les papiers? Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est? Un papier donnant la priorité à un chargement pour le transfert d'appareils médicaux dans l'intérêt vital. Oui, les autorités ne pouvaient être plus compréhensives. On a tort de les critiquer. Ces braves gens craignaient même que ce ne soit pas assez vite chargé sur le bateau. Il faudra les rassurer. Ils ont préféré se rassurer eux-mêmes. Ils ont insisté pour me procurer une escorte officielle jusqu'au quai, pour aller plus vite. Je commence à croire que j'aurais dû travailler dans l'import-export. J'aurais fait fortune. Van Velden. Êtes-vous seul? Allez-y. Nous sommes prêts. Les machines arriveront le mercredi de la semaine prochaine. Mercredi? Oui, c'est ça. Nous avons obtenu un chargement en priorité. Vous connaissez votre rôle? Oui, ça ira. Mais vous avez intérêt à être là à l'arrivée de vos machines pour éviter que quelqu'un ne commence à poser des questions. Et n'oubliez surtout pas mon petit cadeau. Je n'oublie jamais rien. Paysan. Tu es fou, John, tu le savais? Génial, bien sûr, mais fou allié. Oui, c'est très possible. Qu'est-ce passe-t-il? Non, rien. À lui, à présent. Frédéric? Oui. Je crois qu'il est temps maintenant que notre ami invisible aille lui faire une petite visite. Oui, monsieur Howard, je suis de retour. Je suis venu voir si vous étiez toujours aussi discret. Non, ce n'est pas moi, croyez-moi. Mais un homme visite la banque. Il interroge le personnel. D'où vient-il? D'une organisation internationale. Je crois qu'il a des soupçons. Est-ce qu'il sait que l'or n'est plus là? Non. Non, pas encore, mais il se montre curieux. Alors je vais rester pour m'assurer que vous saurez résister. Mais il vous entendra, voyons. Vous n'avez pas compris. Si je vous parle à l'oreille, comme ceci, personne d'autre ne m'entendra. Vous n'êtes pas fou? Oh non, je ne le suis pas. Je vous le prouverai. Impressionnant, monsieur Howard, ça, je dois vous l'avouer. Vous êtes peut-être convaincu. Mais de quoi? De l'inviolabilité de notre banque, voyons. Oui, j'en suis bien convaincu. Bon, débarrassez-vous de lui maintenant. Alors, je n'ai plus rien à vous montrer, monsieur Starling. J'espère que vous êtes satisfait. Je suis presque satisfait. Mais que voulez-vous dire? Il reste les coffres eux-mêmes, monsieur Howard. Débarrassez-vous de lui. Monsieur Starling, avouez que je vous ai consacré beaucoup de mon temps ce matin. Alors j'aimerais que vous me laissiez à mon travail. Oui. Merci, monsieur Howard. Résultat? J'ai peur qu'il nous faille nous attaquer à une autre banque. Bon, qu'est-ce que nous faisons? Tu vas essayer de parler à Howard en te tenant le plus près possible. S'il est mon genre. Il faut que tu découvres si je joue les Jeanne d'Arc du pauvre et si je dois être enfermé. Quoi? Ce monsieur Howard obéissait à des ordres. Et je n'ai vu personne, mais je jurerai sur ce que j'ai de plus cher que j'ai entendu une voix. Une voix? Tu as pu confondre avec un bruit quelconque? Non, je suis sûr de ce que j'ai entendu. Et ce qu'il y a de plus surprenant, Burton, son secrétaire, n'a pas réagi. Mais qu'est-ce que c'est alors? L'homme invisible? Voilà ce que tu dois découvrir. C'est étrange, il est en général si calme. Il a un peu cédé à la panique quand il y a eu cette enquête. Oui, c'est le cas de le dire. Il a parlé d'une organisation internationale. Je me demande laquelle. Probablement une banque suisse rivale. Oui.
Ce qui est embêtant, c'est qu'il peut avoir peur une autre fois. Bonjour, docteur. Bonjour, Carole. Rien de particulier? Non, ce n'est pas important. Bien. Bonjour. Ah, vous êtes debout. Bonjour, Muriel. Bonjour, Jeanne. Faites voir ça. Nous vous renverrons dans 2 jours, ma chère. Bonjour. Bonjour. Oh, docteur Alam, je vous rappelle que vous devez opérer Madame Fika à 5h cet après-midi. Oui, je sais, c'est très ennuyeux. Monsieur Sommer et moi avons une affaire urgente à étudier. Demandez au docteur Bardery de me remplacer, voulez-vous? Bien. Tu as peut-être raison, après tout, mon vieux. On ne sait jamais ce que cette enquête peut finir par révéler. Oui, c'est vrai, nous prenons peut-être un risque. J'en suis certain, John. Je crois que ce cher Frédéric ne nous servira plus à rien maintenant. C'est exact. C'était inévitable. Bien que je déteste changer quoi que ce soit un plan, ça ne fait rien. Il représente un danger. Un danger qui peut être éliminé. Écartez-vous, s'il vous plaît, je suis médecin. Alors, docteur? C'est fini. Quelqu'un parmi vous connaît-il cet homme? C'est Frédéric Howard, le directeur de la banque. Merci. Où y a-t-il un téléphone? Il y en a un juste au coin. Non, veuillez m'excuser. Verdict? C'est ce couteau qui l'a tué. J'en étais sûr. Monsieur Howard avait aussi subi une intervention chirurgicale, une appendicectomie. Et à la même époque, on lui a pratiqué une petite opération dans l'intérieur de l'oreille droite. Il y avait des points de suture très loin dans l'oreille. On y a pratiqué une ouverture aujourd'hui. Quoi? Mais je ne l'ai pas quitté une seconde. On l'a fait alors qu'il était déjà mort. C'est sans doute le docteur qui l'a examiné. Si vraiment il était docteur. Je dois humblement t'avouer que je n'y comprends rien.
Tu as ton idée sur la question? Oui. Tu vas immédiatement te rendre à Genève et tout expliquer à Tremaine. Et je vais essayer de découvrir ce dont souffrait Howard en allant faire une petite visite à son docteur. Tiens, avale ça. Ça te calmera. Ça n'a pas été facile. Oh, je t'en prie, Charles, bon sang, tu es chirurgien. Tu as découpé des chairs des centaines de fois, n'est-ce pas? C'est tout à fait différent. S'il te plaît, Charles. Reconnais que ce n'est pas encore le moment de devenir nerveux, hein? C'est ça que tu crains? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai déjà oublié cet incident. Et puis le but est en vue. Et console-toi en te disant que tu es parmi les deux hommes les plus riches de ce monde. Oui? Monsieur Craig Sterling désirait vous voir, docteur Allam. Il n'a pas de rendez-vous, il me semble. Non, docteur. Mais il dit que c'est très urgent. Demandez-lui ce qu'il me veut. Sterling? C'est bien le nom de l'homme qui était à la banque ce matin. Monsieur Sterling voudrait vous poser quelques questions en tant que médecin de Monsieur Howard. Très bien. Faites-le monter, voulez-vous? Je m'en occupe. Tu devrais aller à côté. Entrez. Voici Monsieur Sterling, docteur. Comme le monde est petit, vous ne trouvez pas? Mais asseyez-vous. Je ne comprends pas. Docteur, vous n'allez tout de même pas me dire que c'est juste une coïncidence si vous êtes passé dans cette rue au moment où ce pauvre Howard disait adieu à la vie. C'en est une, oui. Je regrette seulement d'être arrivé trop tard pour empêcher ça. Êtes-vous parent avec lui? Il était votre malade. Pourquoi avez-vous demandé qui il était? Son visage était couvert de sang et je dois avouer que je ne le reconnaissais pas. J'ignore la raison de votre venue, monsieur Sterling. Mais j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous désirez savoir? Je voudrais vous poser des questions sur des opérations qu'il a subies. Est-ce que vous n'auriez jamais entendu parler de notre fameux secret professionnel, monsieur Sterling? Je crois que vous devriez vous en aller. Je vous ai dit de vous en aller, monsieur Sterling. Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas donné les réponses que je désire. Monsieur Howard était un ami intime. Allons, monsieur Sterling, trouvez quelque chose de plus intelligent. Docteur, si vous me jetez dehors, je vais droit à la police. Que désirez-vous donc savoir, au juste? Monsieur Howard avait subi une appendicectomie, c'est bien vous qui l'avez opéré? Théoriquement, je ne devrais rien dire. Mais oui, c'est exact. Et? Expliquez-moi ce que veut dire ce « et ». Je veux simplement parler de cette intervention chirurgicale dans l'oreille de Monsieur Howard à cette même époque. Je crains que vous n'ayez été mal informé, Monsieur Sterling. Je n'ai pratiqué aucune opération sur l'oreille de Monsieur Howard. Vous voudrez bien, docteur Allam, que je n'en croie pas un mot. Un autre spectateur de la mort de Monsieur Howard. Ou peut-être même plus qu'un simple spectateur.
corps n'était plus dans les coffres. Bien que le vol soit reconnu, il est impossible de l'annoncer à la presse. Cela provoquerait un scandale sans précédent. Dites, est-ce que vous écoutez quand je parle? Craig a des ennuis, monsieur. Vous ne pouvez pas le savoir, voyons. Non, bien entendu. Disons que c'est un pressentiment, si vous le désirez. Vous devez nous envoyer à Londres. Il m'arrive parfois de vous trouver particulièrement affolant, vous savez. Et puis très souvent aussi, j'ai la vague impression que vous savez déjà ce que je vais vous dire. Craig est en danger, croyez-moi. D'accord. J'ignore pourquoi, mais je vais m'arranger. On prend l'avion de ce soir. Vous pensez que cela presse autant? Oui, oui, nous en sommes sûrs. N'hésite pas. Je te dis qu'il le faut. C'est possible. Il faut l'éliminer. Il est trop dangereux. Non, Charles, j'ai une bien meilleure idée. Il peut nous être utile s'il est vivant. Si nous lui laissons la vie sauve, ce sera la fin de ce que nous avons projeté. Ah oui. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, nous paierons nos impôts en Amérique du Sud. Nous étions d'accord. S'il y avait un accroc quelconque, c'était moi qui devais prendre une initiative. N'est-ce pas? Alors ne l'oublie plus, tu entends? Nous avons déjà réussi à gagner 30 millions de dollars et je tiens à jouir de tout cet argent. Et pour cela, il est nécessaire de ne pas se faire posséder par les membres de son organisation. Et que comptes-tu lui faire? Mais je vais lui donner notre petit ami invisible, voyons. Ainsi, nous serons toujours au courant des moindres faits et gestes de cette bande de minables. Allez, viens m'aider. Que le docteur Alam n'est pas là aujourd'hui. Le docteur Alam nous interdit de... Vous savez à quelle heure est parti le docteur hier soir? Il est resté assez tard, ensuite il est parti avec le docteur Sommer. Ils n'étaient que tous les deux. J'avoue que je l'ignore. J'ai vu le docteur Sommer amener sa voiture derrière le bâtiment. Peut-être y avait-il quelqu'un avec eux. Ce sera tout pour le moment, merci mademoiselle. Une seconde, une dernière question. Monsieur Sterling a dû venir dans cette clinique hier. Oui, il a vu monsieur Alam. Merci. Tu avais des doutes? Je suppose que j'avais un espoir. Sharon, viens jeter un coup d'œil. On dirait qu'on s'est beaucoup affairé ici. Oui, c'est vrai. Tu sens cette odeur? J'ai l'impression que c'est celle d'un anesthésique. Tu crois que... Allô? C'est l'infirmière? À mon avis, c'est sûrement la ligne directe du docteur. Ça vient de Hollande, Rotterdam. Allô?
C'est Van Velden. Oui, Alam, j'avais compris qu'il arriverait tôt aujourd'hui. Je sais, oui, mais il a été retardé. Des ennuis? Oui, c'est exact, mais rien de très sérieux. Je crois qu'il devrait bientôt arriver maintenant. Très bien, au revoir. Le report, Rotterdam. Il revient à lui. Notre petit ami est un coriace, tu sais. Cet endroit a l'air idéal. Lâche-le. Il sera très bien ici. Il va se reposer. Assez solide sur vos jambes, monsieur Sterling. Pourquoi ne pas vous allonger et prendre un long repos? Où est-il? Van Velden! Je n'aime pas ça, John. Charles, tu vas attendre dans la voiture. Regarde s'il ne se trouve pas dehors. Van Velden! Ah, je vous rappelle qu'il faut en général compter près de 3 jours pour sortir de telle machine du port. Je le sais très bien, c'est pour ça que je vous paie. Alors vite, dépêchez-vous. Oui, bien sûr. Je veux ces papiers tout de suite. Non. L'argent, vous ne m'avez pas encore payé. 500 livres, c'est bien ça? Il en faudrait d'autres. Vous aviez donné votre accord, Van Velden. Mais vous ne me l'aviez pas dit, n'est-ce pas? Je ne vous avais pas dit quoi? Que vos grosses machines n'étaient pas en état. Alors! Attendez-moi ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sterling. Il est revenu à lui. Non, c'est impossible. Où est-il, tu le sais? Difficile à dire. Je pense qu'il est dans une ville. Mais
Mais déjà à Rotterdam, ce serait étonnant. Écoute. Le téléphone. Tremaine, j'écoute. Craig à l'appareil. Craig? Où êtes-vous? À Rotterdam. Ils m'ont donné de la drogue. J'ai seulement un vague souvenir d'un voyage en petit avion privé. Vous avez de la chance, c'était Rotterdam que vous deviez justement partir. Non, 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 vous n'avez rien à expliquer. Richard et Sharon ont enquêté à la maison de santé. Mais pourquoi devais-je partir pour Rotterdam? Bien, vous devez prendre contact avec un officier de douane appelé Van Velden. Il travaille pour eux. Richard et Sharon sont en route pour Rotterdam. Rendez-vous au quai numéro 52. Ils savent tout. Mais il peut être n'importe où. À l'autre bout de Rotterdam. Ou sur un des quais. Il peut être là dans quelques minutes. Je vais faire charger notre matériel maintenant. Toi, tu restes ici. Et tu ne quittes pas la voiture. Entendu, oui. Monsieur. Oui, je sais. De toute façon, on le contrôle toujours. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai signe. Maintenant, il faut que je parte. Au revoir. Nous ne sommes pas d'accord, si je comprends bien. Je n'ai guère le temps de discuter. Je veux ces papiers maintenant. Vous êtes idiot. Ah non, il y a beaucoup trop de monde, vous n'oserez jamais. Vous voulez bien me prendre? Je vais sur le quai numéro 52. Allez, montez. Dépêchez-vous de terminer. Utilise le vibrateur, Charles. Arrête, ça suffit, Charles. La voiture. Allez. Son compte, on dirait. Donnons-lui encore du temps. Il est du genre coriace, tu as vu, hein? Vous
C'est ici, Richard. Voilà le numéro 52. Craig! Craig, où es-tu, bon sang? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une radio miniature. C'est fantastique. Ils ont joué les hommes invisibles avec ça. Oui, c'est pour ça qu'Alam était sur les lieux quand Howard a été tué. Il fallait qu'il le récupère avant qu'une autopsie fasse rater toute son affaire. Craig, Richard, regardez! Van Velden. Sans doute. Qu'est-ce que c'est? Des duplicata. Des copies d'un ordre de transit pour deux presses. Au nom de M. Alam. Et qui devait être transporté par route de Rotterdam à Zurich. Tu as l'air joyeux. Un vol dont personne n'a entendu parler. Une petite exportation en priorité et avec en plus un appui du gouvernement. Et enfin ceci. Rien ne peut nous arrêter, Charles. Rien, mais il ne faudrait pas avoir des ennuis avec ce camion. Nous n'avons pas tellement d'avance. Allons, voyons, Charles. Personne ne sait ce que nous convoyons. Et Van Velden? J'aurais dû dire personne de vivant. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Il a voulu jouer au plus malin. Tu penses toujours à tout, on dirait. Ils passeront en Allemagne par Eindhoven. Oui, mais ils devront emprunter cette route. Pourquoi ne pas utiliser celle-ci? C'est plus court. Et tout simplement parce qu'il y a des petits ponts qui ne sont autorisés qu'aux voitures. Les gros camions sont déviés. Ah oui? Eh bien, on devrait pouvoir atteindre la frontière allemande avant ces messieurs. J'avoue que je n'ai rien contre. Qu'est-ce qui se passe? John, non! John, attention, on va se renverser! Je vais attendre qu'il s'approche. Supplie, aide-moi.
Et juste au cas où vous vous le demanderiez, vous n'avez aucun droit sur cette épave. Dommage que vous n'ayez pas trouvé ce camion au fond de la mer. Craig, avant que vous ne partiez, j'avoue que quelque chose me tracasse à propos de ce temps passé au fond de l'étang. Quoi donc? Vous n'indiquiez nulle part la durée exacte de votre séjour sous l'eau. C'est un oubli, non? Non, je l'ignore. Disons seulement que je ne savais pas qu'on pouvait rester aussi longtemps sous l'eau et survivre. Oui. C'est aussi ce que je pense pour ma part.